Bon bah c'est parti hein. Ça y est, c'est le grand jour, on est jeudi, il est 8h45 et c'est le début de l'aventure. Donc aujourd'hui c'est pas la journée la plus passionnante parce qu'on se fait 800 km d'autoroute. Hello. T'inquiète, ça va, départ 9h, t'es dans le train. C'est ce que je me suis dit, c'est... Tout va bien. Salut Julien, Thibaut, enchanté. Salut Camille. Bon. Il y a des travaux, il n'y a pas très longtemps. Les pauses sur les airs, c'est un peu trop mainstream. Alors nous, quand on fait une pause, c'est au milieu de l'autoroute. On s'en balèque. C'est bon, on rigole, mais en vrai, c'est pas hyper marrant parce que y a un mec qui s'est mangé une truc centrale, je crois. J'espère que ça va. Et du coup, c'est la pause forcée. On a hésité à s'arrêter de prendre le café juste avant, bah on aurait dû. Je parlais de mon boulot chez moi, j'ai dit. C'est la vie. Je sais pas comment c'est pareil, c'était une grosse montagne, il y en a quelqu'un qui a voulu s'engager. Il y a ce bon mieux, on a dépassé Arras. Et après, c'est vite, on a dit, on a remonté une file de voitures sur plusieurs kilomètres, je pense que ça faisait quelques heures qu'ils étaient là les gars. J'espère que nous c'est pareil, ça va nous bloquer parce que sinon... Un peu dans la merde. Bon, notre première pause en territoire teuton. Il fait 25 ou 26 degrés, température ressentie environ 60. On va faire une pause, on a un petit ravito essence à faire. On est dans la région de Karlsruhe, je sais pas comment on dit, quelque chose comme ça. Et voilà quoi, on a un temps de fou. C'est plutôt cool. Bon, on vient de faire normalement notre dernier stop essence de la journée sur notre route vers Munich. On vient de prendre une portion d'autobahn qui était énorme. Alors, c'était cool parce qu'on a pu vraiment du coup se donner à fond, c'était assez rigolo. C'était pas évident parce que les limitations en fait elles changent vachement. Ça passe de 120 à 100 à 80 à 60 à 130. Puis limité, puis 100, puis 80. Donc voilà, faut faire attention quand même parce que c'est pas illimité partout, ça c'est sûr. Mais surtout, ça change très vite quoi.
les segments en fait se succèdent et il faut bien rester concentré pour pas faire n'importe quoi. Donc là on est là, on vient tous de faire le plein, les fumeurs ont cramé une petite clope, on respire, on boit un coup, on s'hydrate, on va aux toilettes pour ceux qui ont besoin, bref, c'est la petite pause, la dernière pause avant d'aller manger ce soir et d'arriver donc à Edling, notre point de chute en Allemagne, on va retrouver notre BNB et aller dîner. Voilà, à plus tard les amis. Est-ce que quelqu'un a un tournevis cruciforme? Oui. Facilement accessible? Ouais. Enfin, j'ai un clé à cliquer. Ça m'intéresse. S'il te plaît. Ouais. Ah, la moto, elle commence à se démonter, là. Non, je déconne. Non, c'est parce que j'ai remonté mon setup GoPro, mais je l'ai mal fait, et du coup... je peux pas la rentrer, la GoPro, dans le... Je peux pas la clipser dans le support du casque, parce qu'il est à l'envers, le truc. Il n'y a pas assez la place, parce que je l'ai remonté vite fait. Thanks guys. Donc aujourd'hui, jour 2, il est quoi? Il est 9h30? Ouais, on a une demi-heure de retard. Ouais, normal. À peu près. Aujourd'hui, on attaque du coup Zellamsee, donc en Autriche, qui est au pied de la grosse Glockner Oschalpenstrasse, je sais pas comment on dit. Mais... Une des plus belles routes d'Europe, n'est-ce pas? Donc ça va être du col. Le Tyrol, les Bavarois. Tu sors. C'est dur le matin. Hein. Est-ce qu'on aura les mecs qui font. Ia, 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 allez, c'est parti. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les road trips. Pour avoir ce genre de panorama, les enfants. Alors c'est vrai, on part que 4 jours. On a fait la réflexion, c'est un peu débile. Vous n'allez pas vraiment profiter. Vous allez faire que rouler. Ok, d'accord. N'empêche que c'était ça ou rien. Donc, prendre ou à laisser, moi personnellement, parce que vous en pensez, moi je prends. Hein. Bienvenue dans le Tyrol, par contre on aura sûrement le péage de colle dans pas longtemps. Il a failli se prendre un coup de canette. C'est grave. Oh, la vache. C'est un événement, une course de tracteur ou je sais pas quoi. C'est énorme, c'est tout. Folklore. Tu voulais du folklore, bah voilà. Ouais, grave.
putain. Fucked him craving your cars like a soldier's wife. Wanna bring you home myself. Bring you home myself. And I'm so impatient when you're not mine. I just wanna catch up on all the lost times. And I'll say I'm sorry if I sound sordid, 'cause all I really ever want is you. Voilà, là on est la grosse Böckner, Schwarzenstraße. Des routes aussi spectaculaires d'Europe, sûrement la plus spectaculaire de tout. Check this out. Soldier's wife, wanna bring you home myself. Bring you home myself. And I'm so impatient when you're not mine. I just wanna catch up on all the lost times. And I'll say I'm sorry if I sound sordid, 'cause all I really ever want is you. Know when you're gonna struggle at night. Dream of you fucking me all the time. And I know you're tied up and I know your phone's fucked. I'm craving your calls like a soldier's wife. Wanna bring you home myself. Bring you home myself. Sorry if I sound sordid, 'cause all I really ever want is you. Come back, move in, mess my place. Chest infect me, break my days. 'Cause I know you love to drive me up the wall. I know you love to drive me up the wall. I wanna bring you home myself. Bring you. And I'm so impatient when you're not mine. I just wanna catch up on all the lost time. And I'll say I'm sorry if I sound sordid, 'cause all I really ever want is you. My frame, 'cause I wanna carry all of your children, and I wanna call them stupid shit. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors aujourd'hui, jour 3. Pareil. Le jour le plus reposant du voyage. Exactement, on va dormir sur la moto. C'est ça. Ou pas. On n'a pas le temps. Ou pas. Je pense que je commence à le sentir. Du coup, c'est quoi 590 km. 10 heures de route. 10 heures de route. Sans pause. Sans compter les pauses. Easy peasy. Au calme. Les pauses, c'est pour les lâches. C'est ça. Donc là, il est quoi? Il est 7h45, presque 8h. On est quasiment prêt. On est quasiment dans les temps d'être à la bourre. Ouais. Voilà. Donc la journée commence bien.
De toute façon, c'est... Je suis explosé, mon gars, déjà. On a pas commencé que je suis déjà mort. Ah ouais? J'ai pas assez dormi, là. Oh là là, bichette. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Le motard est sexy. Le motard est fatigué. Donc, heureusement, nous avons à notre disposition de la drogue pour survivre et rester réveillé. Et j'ai pu manger, donc ça va. Eh oui, parce que sinon, cet homme devient un démon. voilà, donc aujourd'hui, le programme, on quitte l'Italie assez rapidement pour prendre le col du Stelvio. Et ensuite, on arrive à l'extrémité est de la Suisse et on la traverse dans toute sa longueur avec pas mal de cols différents et jusqu'à arriver à l'extrémité ouest de la Suisse. Ça n'a pas l'air grand chose comme ça, mais finalement, c'est pas si petit que ça la Suisse, hein, c'est ce qu'on a vu hier. T'as la map, c'est ça? Ah, super. Attends, bouge pas. Attends que c'est. Voilà un peu le programme des réjouissances. Dur, 587 km, 9h55 de route. Tout va bien. Au calme. Et voilà la suite. Voilà. Donc c'est notre plus grosse étape en temps de roulage aujourd'hui, normalement. Et on accuse évidemment les deux premiers jours de fatigue, mais ça c'était prévu. Donc finalement, bah, on play by the book, hein, c'est annoncé, donc tout va bien. Voilà, voilà. Donc là, il fait, je sais pas, il fait combien d'heures. Il fait pas chaud, hein, mais on va survivre. Et on espère juste qu'il y aura pas trop de monde sur les routes, parce qu'hier, donc on est parti le matin d'Allemagne, on a traversé un bon bout d'Autriche. Et on est arrivé jusqu'en Italie et en fait il y avait quand même pas mal de trafic, il faut dire ce qui est. Il y avait du touriste. Ouais, on a eu de tout, on a eu des tracteurs, beaucoup de tracteurs, beaucoup trop de tracteurs, des vaches, beaucoup de vaches. Beaucoup trop de vaches. Dont une qui a failli me charger. Les vaches ici respectent pas le code de la route, elles ont pas de feu. Exactement. Ah, c'est vache, non mais il y a vraiment pas mal de trafic, donc j'espère que aujourd'hui ça ira et qu'on pourra quand même rouler. De toute façon, il y a 90% de Suisses, ce qui veut dire qu'on pourra pas forcément rouler déjà. Donc. C'est ça. Voilà. Bref. Each night I wake. Depuis 8 km. Hein? C'est incroyable. Hein? C'est incroyable, mais alors c'est que des épingles. Hein? J'en connais une qui aurait pas du tout kiffé. J'ai vu des lacets. En fait, là, tu te rends compte que bonjour. C'est l'apéro, en fait. Ouais. Enfin, la fin, quoi. Alors, Camille, est-ce que tu peux nous dire où on est, là? On est au Stelvio. Et je sais pas à combien de mètres d'altitude on est, mais c'est assez haut. C'est pas 2200 et quelques? C'est pas si haut.
Bah il fait plus froid qu'hier en tout cas. Mais il fait moins froid, avant sur la route il faisait super froid, ouais. Là tu s'est réchauffé un peu. Ouais. On a de la chance de ouf avec le temps. Ouais. C'est incroyable. Plaisir d'être là en tout cas. Ah putain, ouais. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais quand tu regardes ce qu'on a fait du trajet là, tu déchantes. Parce que on a rien fait. Ouais, c'est ça. On a fait un tiers, même pas. Non, on a fait le premier. Un tiers. Non, non, on a fait juste la première étape. Tu rigoles. Ouais. Ah, point 1. Oui, on a fait point 1. On a fait. Voilà. Voilà ce qu'on a fait hein, sur le trajet. Oui, on a fait un cinquième. Un huitième. Un huitième. On va peut-être pas un huitième. Hein. Un sixième, pas sûr. On a fait 100, un sixième. Un sixième, toi. Pas dégueulasse. Dès quelle heure ? On avance, hein, les gars. Oui, à un moment, effectivement, on a fait de la merde. Mais bon. En fait, la trace, elle dit qu'on sort, et puis en fait, non. Ouais, c'est ça. Elle cherche des virages là où il y en a pas. Là où il n'y a pas besoin qu'il y en ait, quoi. Ça, c'est l'effet qu'a les motos. On va en faire une juste vite fait avec les motos. Il est au bout du champ là-bas. On fait attention. We'll be right back.
Vous avez pas attendu à l'intersection? Hein? À l'intersection, vous avez pas attendu? Ils étaient derrière, il y avait Jonathan qui était juste. Ils étaient juste derrière à l'intersection? Hein? À l'intersection, avant de tourner à gauche, ils étaient juste derrière? Je suis pas sûr, j'ai pas fait gaffe. Il y avait Jonathan en tout cas, donc. Ah, bon, non. Ah donc c'est à Jonathan, il a dû rester au moins. Juste en entrant dans le village, il était là. D'accord. Et à l'intersection, là, j'ai pas fait gaffe au moins, ils étaient derrière. Pas regardé en retour. Il y a vraiment des belles routes, hein. C'est incroyable. Ouais, ma stratégie, c'est que les Suisses, on les double le plus proprement possible pour pas qu'il y ait de délation ni quoi que ce soit à la con, tu vois. Après, les autres, je m'en bats les couilles. Mais les Suisses, on fait gaffe, quoi. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, je veux. Pourquoi on restait derrière la roue? Parce que je voulais. À chaque fois, il n'y avait pas d'endroit vraiment propre et tout. Tiens, on peut y aller. Il y a l'air d'avoir un lac magnifique.
parti, on repart de Suisse aujourd'hui, on rentre en France. On va passer par l'école de la Petite. Toi, tu veux pas rentrer là-dessus, Sylvain? Ouais, c'est pas mal, toi, hein. Ouais, grave. T'as le siège en forme. Ah, sur toutes les motos qu'on a croisées du séjour, vous avez pas vu, mais on a croisé la première Shiver il y a même pas 5 minutes. Putain. Faut attraper Julia quand il passe. Hein. Julien, je crois qu'il a tourné à droite, là. C'est vrai? Il est passé d'ailleurs? Ah merde! Ouais. Just text you,
turn your phone over when it's all over. No settling down, my texts go to your screen. You know better than that, I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming on to tempt me. I need to be alone like the way you left me. You start calling, you start crying, I come over, I'm you. I can't find you, the girl that I once had. But the sex that we have isn't half bad. Texts say that it's not fair.